Bonjour mes petits amis YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Dark Souls 3 et je suis toujours aussi étonné et content et ravi même de voir que cette série compte autant de gens qui la suivent. Et en même temps je me doutais bien que vous seriez pas ultra nombreux, mais c'est cool parce que comme ça on est en petit comité et ça me permet de raconter beaucoup plus de conneries. Mais ça c'est un autre problème. Donc dans le dernier épisode, on avait décidé qu'il fallait, enfin entre les deux épisodes, on avait décidé qu'il fallait que je farme 20 000 âmes pour pouvoir aller acheter la fameuse clé que vend la vieille, donc la clé de la tour abandonnée située derrière le sanctuaire. Donc on va l'acheter. C'est mal au cœur quand même, 20 000 âmes. Hein. Enfin, il faut bien, il faut bien. D'ailleurs, quand j'ai pu farmer, j'ai pu tester pas mal de fois les sorts. Honnêtement, je les trouve pas ultra terribles. Bon, maintenant. J'ai que ça à mettre pour le moment en droite et gauche. Et puis il faut bien avouer qu'il faut bien avoir un sort. Enfin, il me semble qu'il faut bien avoir un sort du moins. Pour bah, utiliser l'emplacement des sorts, quoi, tout simplement. Après, on verra. Si je me trompe pas, de toute façon, on aura bien un sort à utiliser. Alors, comment je ressors de la tour, moi? Parce que c'est bien beau de la. La tour derrière le sanctuaire. Qu'est-ce que. Ça a l'air sympathique ici. Ah bah. En même temps, j'aurais pas à chercher beaucoup au moins comme ça. Qu'a priori, c'est ici qu'il faut que j'aille. Ok. On va commencer. Bah, déjà, il y a un objet. Ok. On va commencer par faire le tour de la tour. Ah. Ok, bon. Ça va être vite vu. Est-ce que. Ça, non, malheureusement, je peux pas y aller. Ok. Là non plus. Là, je suppose que ça sera pour revenir. Ok. Donc là, c'est la clé que je viens d'acheter à 20 000. J'espère que ça va être un bon investissement. Alors, même si la tour était fermée, bah, utiliser clé de la tour, oui. Mais pourquoi je peux pas attaquer? Que se passe-t-il? Attendez, c'est bizarre. Là je peux attaquer. Enfin je peux me mettre en parade. Je peux aiguiser. Je peux attaquer. Ok. Pourquoi là? Je pouvais plus attaquer. Ouais, bizarre cette histoire. Bon enfin bref. J'ai gaspillé de la mana pour rien. J'aime pas du tout cette tour. Puis en tout cas c'est super joli les effets de lumière. Puis même les effets de vue on va dire. C'est vraiment magnifique. Bon, enfin bref, je suis pas là pour contempler la vue, même si c'est toujours intéressant. Je fais bien attention à ce qu'il n'y ait rien. Ok, a priori, il n'y a rien. Ouais, non, c'est vraiment magnifique, quoi. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je trouve ça magnifique. Ce château aussi, enfin bon, bref. Ok, alors, continuons. Déjà là on voit qu'en bas il y a un item, donc a priori on doit pouvoir descendre. On doit pouvoir descendre. Ok. On doit pouvoir descendre. Je pense pas qu'on puisse. Après j'ai que 266 âmes, donc je m'en fous un peu. Ah quoique, si on doit pouvoir descendre par là. Ok, j'ai même pas pris de dégâts, donc jusque là ça va. Essayer de descendre là, par un peu pris des dégâts, mais encore ça va. Et je vois plus l'item. Merde alors. Bon, là, a priori, à l'échelle. Hop là. Bon coup de pied dedans. Il y a l'échelle que j'ai vue tout à l'heure en arrivant devant la tour. A priori, je peux descendre par là. Voilà. Donc là, il y avait un item. Ok. Qu'est-ce que. Ah non, mais c'est pas un item, c'est. Ah putain, c'est ces trucs-là à casser. Voilà, je l'ai eu. Là, normalement, titanite scintillante. Cool. Dans le dernier épisode, je sais pas si vous vous souvenez, j'en ai raté un que j'ai jamais vu repopper. Donc bon, j'étais bien dégoûté de l'avoir loupé. Eh ben, on va commencer par explorer ici. Déjà voir ce qu'il y a. Enfin, en même temps, a priori, il n'y a pas grand-chose non plus à voir. Ok, on va voir s'il n'y a pas un. Ah 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 ah.
Ça, à première vue, c'est un mur qui peut se casser. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il fasse pas comme les autres. Hein. Par contre, il se casse comment, quoi? Parce que je veux bien... Non, là, ça fait vraiment différent des autres. Alors, on va essayer... Ah, la grenade. Ok, il s'en balaye. Sort de feu peut-être. Alors là c'est bizarre. Là il y a quelque chose, c'est sûr et certain. Maintenant, comment je fais pour l'ouvrir ce truc là? Ou est-ce que je me trompe et qu'il n'y a rien en fait? Il y a du bruit en tout cas. Bon, bref, passons. C'est plutôt dommage. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc il y a un excité en bas. Qu'est-ce que je peux... A priori, je dois pouvoir lui sauter sur la gueule. Si j'arrive à le revoir. Bon, j'ai perdu un peu de vie, mais c'est pas grave, on va tenter comme ça. Hop là, allez. Ok, esquive. Ah, j'ai pas pu contre-attaquer. Ah, punaise, il m'a eu. Watch. En plus, c'est un squelette, et à première vue, il a un katana dans la main. Ok, toi, tu m'intéresses, toi. Toi, tu m'intéresses. Alors, déjà, il y a un truc qui va pas, c'est que je suis beaucoup trop lourd. Comment se fait-ce que je suis si lourd? C'est peut-être ce machin-là qui pèse. Non, le reste, ça pèse rien. Bon, bah écoutez, ça c'était qu'une fausse impression alors. Donc, on va retourner à la tour. Donc, ok. C'était par où que j'étais monté? Non, c'était pas par là. C'était par l'entrée. Donc ça devait être... Par où j'étais passé, bordel? C'était pas par là. Non, là il y a un brouillard. C'est pas là. Ouais, c'était par là que j'étais passé. Ok. Donc j'étais passé par là. J'étais monté. J'avais... Hop là, pris par l'escalier, enfin par l'échelle. Et au-dessous de moi, il y avait Mister Katana. Bah, qui est là d'ailleurs. Oula, d'accord, t'es en version énervée toi. Ok, il y a mes âmes en dessous. Bon, en même temps j'ai 266 âmes hein, là-bas, donc pire si je remeurs, c'est pas grave. Ah, putain, il fait vraiment pas rire lui. Esquive. Qui fait vraiment pas rire. C'est pas ça que je voulais faire en plus. Oh là 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 là. Bon voilà, j'ai perdu mes 266 âmes, c'est pas grave. C'est pas grave. On va essayer d'y retourner. Je sais même pas comment je me suis démerdé. Pour... Hop là. Plutôt prendre ça, Michel Destux, plutôt que de prendre. Là, c'est pas là, c'est ici. Ben alors, ça s'ouvre pas? Vous êtes gentil, mais je veux aller par là, moi. D'accord, bon, fallait attendre à première vue. Bizarre. Enfin bref, du coup, bon, la tour on ira l'explorer après, j'ai vraiment envie d'aller buter ce ninja là, avec son katana. À mon avis, il doit y avoir moyen de le buter et surtout de récupérer son arme. Je sais pas si elle sera super intéressante ou pas son arme, mais vu les dégâts qu'il me fait, soit c'est lui qui est cheaté, soit il y a moyen de... Je le vois plus.
Ah merde, raté. Esquive. Ok, je vais enlever la moitié de sa vie. Aïe, 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 non, 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 pas le trou, pas le trou, pas le trou, bordel. Ok, il fait vraiment mal, lui. Très très mal, je sens que je vais y passer un moment sur lui. Je sens que je vais y passer un moment, mais il est plus rapide que moi, il est plus fort que moi. Ça vraiment, vraiment, ça va pas être facile là. Alors, je pourrais essayer de le choper de loin avec des grenades. Malheureusement, j'ai pas non plus une tonne de grenades et je vise surtout très très mal. Donc, on va essayer de le choper à la boule de feu déjà. Si j'arrive un peu à l'allumer à la boule de feu. Pas forcément beaucoup, mais en un burst, on a vu que j'avais enlevé la moitié de sa vie. Alors peut-être que en lui enlevant la moitié de la vie avec des grenades, peut-être moyen. Hein. Peut-être moyen, peut-être moyen. C'était vers où qu'il était? C'était pas là qu'il était? Ah bah, je vois mes âmes. Enfin mes âmes, mes zéro âmes entre parenthèses. Alors, Pumpronel, où est-ce que tu te caches? Ah, il arrive, ok. On va y aller à la. Ouais, j'ai que 3 bombes. Ouais, bon, autant dire que ça va être la merde. Est-ce que je peux le focus? Oui. Hop là, cadeau! Tiens, c'est cadeau! Ah ouais. C'est mon dernier essai, hein, du coup. Est-ce que je peux. Du coup. Hop là. Ouais, ça lui fait mal aussi. Ouais, je sais, c'est une technique de l'âge que j'utilise. Clairement. Mais oh, il les esquive. Ouais, celle-là, tu l'as esquivé. Mais honnêtement, il fait beaucoup trop mal. Pour. Ben alors. Ah, il n'y a plus de jus. D'accord. Il fait beaucoup trop mal pour que. Je le batte à la loyale. Oh là là. Allez, hop. Voilà, il est mort. Putain, j'en aurais chié. Katana, habit de maître, gants de maître. Ok, Ushigawa, exactement. Forcément, par curiosité, nous allons regarder de suite. Alors, il part très très mal comparé à mon. Mon Senoir qui est plus 3 quand même. Par contre, il est E et D. Ça veut dire qu'il profite de la dextérité et de la force. Pourquoi je peux pas le mettre alors? Ah, parce qu'il me faudrait 16 de dext pour le mettre. D'accord. Ouais, 16 de dext, c'est envisageable. Ouais, je sais, inefficient, machin. Mais j'aimerais bien le tester. Voir. Wow, il est joli quand même. On va récupérer mes armes même s'il n'y en a pas à récupérer. Ah ouais, quand même. Puis à deux mains, ça donne quoi? Ah, il est vachement lent par contre. Ouais, non, je préfère mon hachoir. Qui mine de rien est plus rapide. Étonnant pour un katana. Enfin bref, on le mettra de côté. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Une porte, ouvrir, ouvrir, impossible de ce côté, tu te fous de ma gueule? D'accord, alors comment je fais pour retourner là où j'étais? Est-ce qu'il y a un passage, quelque chose? Y a rien par là, j'ai pas envie de me suicider, t'es gentil. Donc on va aller voir de l'autre côté où ça mène, on voit que là-bas il y a un objet. Fais attention. Mine de rien, j'ai perdu beaucoup de vie. La joie d'avoir l'arme, j'ai complètement fait gaffe. Oh, bouclier est-ouest, pourquoi pas. Ah bah, ah! J'allais dire ça a réveillé les zombies, mais. Fouiller le corps, vacillante, toujours ça de pris. Donc, un nouveau bouclier. Qu'est-ce qu'il fait ce bouclier-là? 55 de puissance de garde, ouais, on laisse tomber, c'est de la merde pour un bouclier. Il faut 100%. Donc on va déjà essayer de regarder par là, je vois qu'il y a un autre objet. Ok,
pied. Une braise, pourquoi pas. Ah là, ça me fait le même bruit que tout à l'heure. C'est là que j'étais tout à l'heure, peut-être? Non, je ne crois pas. Ouais, ça dépend vraiment quelle langue on tape. Pourquoi je fais troll comme ça? Ouais, bon, il faut y poser des choses là. Ça va pas du tout, j'aime pas du tout la maniabilité du perso quand il est comme ça, quoi. Bon, là, je suis revenu au début, non? Il me semblait, mais ouais, je peux retourner au début. Alors, on va déjà finir d'explorer ici. À première vue, il n'y a plus rien, hein, mais bon. Sait-on jamais? Sait-on jamais? Non. Ouf, en même temps, c'est pas pour le chemin qu'il y a à faire. Là, là, on va retourner, si je me trompe pas. D'accord, là, c'est l'entrée principale, ok. Pense, on retourne au feu, on va poser tous les machins que j'ai, parce que mine de rien, je sais pas combien il pèse le katana, mais à mon avis, il doit peser un peu une blinde. Poids 5,5, il est quand même plus léger que le mien. Il est plus léger que le mien. Les objets actuellement équipés ne peuvent pas être entreposés. Ah, oh, merde. Tiens. On recommence. Tac, hop, on déséquipe ça. Hop, j'ai pas regardé les armures si elles étaient mieux. Ouais, non, j'y perds dans tout. Donc, par contre, poids nu 2. Forcément, il est à poil. Ça peut être que mieux. J'ai des gants de Léoric, tiens, qui traînent, qui ont rien à foutre là. Parce qu'ils pèsent trop lourd. Ouais, je suis quand même à 60%. Hein. Punaise. Je suis quand même à 60%. Je pourrais presque enlever le casque. Ouais, non, il faut bien garder un casque. Allez. Du coup, j'ai désactivé ce que je voulais désactiver. On se repose près du feu. On va hop, poser tout ce qui traîne, hop là, qui a rien à faire là. Le bouclier, la tenue, les gants. Cette bague aussi, parce que j'en ai rien à faire. Celle-là aussi. Ça, c'est les 4 bagues que je porte actuellement, hein. Le sort, l'absorption des dégâts, l'anneau que j'ai choisi au début du jeu, et la résistance au saignement que j'ai eu sur le Korra. Ok, ok. Bon, du coup, on va y retourner, parce que c'est pas dit, mais on a, à mon avis, pas exploré la moitié de la tour pour le moment. Pour le moment, j'explorais d'ailleurs que le tour de la tour, si j'ose dire. Et encore, j'ai peut-être pas tout bien fait. Mais bon. Hop, c'est par là-haut. Tac, 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 tac. On se dépêche. Histoire de pas prendre 3 heures pour y retourner. Déjà, oui, j'avais pas fini d'explorer autour de la tour. Mais bon, on va quand même aller voir un peu ce qu'il y a vraiment dans la tour. Parce que là, j'ai fait que la première tour. Et j'ai envie d'un peu aller voir l'autre. Hein. Parce que j'ai déjà trouvé pas mal de choses. Ici et là. Ok, là il y a un chemin de ronde en bas. Faudra peut-être aller voir. Ok, une espèce de pont-levis. Ok. Y'a quoi en bas? Ah, je vois un item en bas, ok. Ça sent l'épreuve de plateforme. Ouais, a priori je dois pouvoir descendre. Bon, j'ai que 2000 âmes en même temps, donc c'est pas bien grave. Oh putain, j'ai failli me louper. Allez, hop. Ah putain. Bon, ça va, j'ai perdu de la vie, mais je suis vivant. Je suis vivant. Par contre, je commence à avoir une sacrée sale gueule quand même. En... à force de prendre des niveaux de carcasse, moi. Du coup, je suis vivant. Comment je vais faire pour descendre? Bah, comme ça, je suppose. Pas trop le choix. En espérant ne pas prendre trop de dégâts. Oh, ça pue les emmerdes en bas. Hein. Je veux pas dire, mais. Anneau d'Estus. Ok, qu'est-ce que ça fait l'anneau d'Estus? Tiens, on va enlever voir celui-là.
Améliore la restitution des PV par rapport à la fiole d'astuce. Ah, intéressant. Intéressant. Enfin, plus intéressant que celui-là, qui me plaisait déjà pas. Et c'est ma foi. On verra bien. Donc, à première vue, j'ai un bonus, c'est permanent. Donc, là, ça c'est cool. Ça c'est cool. Là, il n'y a rien. Ok. Ça, la première vue, c'est la porte que je pouvais pas ouvrir tout à l'heure, et derrière il y avait le ninja, le fameux ninja. Ok, donc bah du coup, je suis obligé de refaire le tour, je suppose. Hop, j'espère que le ninja a pas rip-hop. Quoique, s'il me refilait son arme, je serais pas contre, hein, mais par contre, eux ont rip-hop. Vu que j'ai perdu un peu de vie, on va aiguiser mon arme. Et on va voir. Hop là. Voilà. Après, ils n'ont pas beaucoup de vie, quoi. Ok. Il n'y avait pas un troisième là? Ouais, je croyais. C'est pas là qu'il y avait un mur qui faisait un drôle de bruit? Non. Ouais, c'était simplement un bug en fait. Je vais vérifier, mais. Bizarre cette pierre qui sort là. Ok, on va chercher. Faisons un peu attention quand même. Ok. Donc là il y a des tombes. Là c'est le chemin pour redescendre. Ah bah, là j'ai bien fait de revenir. Os du retour, ok. D'accord, ici il n'y a rien. Je peux pas monter. Je peux pas monter non plus. Ok, donc retour à la case départ, si j'ose dire. Il faut que bah je retourne dans la tour. Donc, déjà prendre cet item là qui traîne, que je n'avais pas vu tout à l'heure. Dégage le chien. Ok. Là, on va retourner dans la tour. Voilà, j'ai rien perdu en vie, tout ça, hein, donc on va pas aller. Merde, c'est pas le bon chemin. C'était de l'autre côté, si je me trompe pas. J'ai pas perdu de vie ni rien, donc je vais pas. Je vais pas aller dormir pour ça. Hein. Et on va continuer à explorer cette tour. Donc, on recommence. Tac, 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 tac. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je rate quelque chose, ça m'énerve. Bon, enfin, pour le moment en tout cas, c'est plutôt sympa. Bon, en tout cas, on doit pouvoir monter à ce tour. C'est bien beau de descendre comme je l'ai fait, mais peut-être moyen de monter. C'est peut-être un ascenseur, ça. Ok. On doit avoir une sacrée vue de là-haut. C'est pour appeler l'ascenseur, ok. J'ai à prendre. On est à la cloche. Qu'est-ce que c'est? Âme de gardienne du feu. Moi quoi? La gardienne du feu, c'était pas la nénette à l'intérieur, il me semble. Hein. Il me semble, il me semble. Bon, ok. Là, il y a un tour de garde. Bon, bah, écoutez, oh, après tout, j'ai que 2100 âmes. C'est pas non plus la mort. Est-ce que je vais avoir bien les glandes d'être passé là? Ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose? On avance doucement. Un objet? Non, non, même pas. Ok. Pas de faux mur ici. Je sens que je suis passé là pour rien. Bon, faut faire gaffe, hein. On va pas tomber. J'espère qu'il y a une autre sortie que de tomber, parce que j'ai l'impression que j'ai peut-être fait le con là en fait. J'ai peut-être fait le con. En même temps, si on peut aller là, il y a sûrement au moins un moyen de retourner safe. Hein. Oui, d'accord.
Ok, donc là je retourne à l'ascenseur. Ah merde. On va essayer de remonter déjà. J'aurais bien essayé. Quelque chose. Putain, je commence vraiment à avoir une sale gueule moi. Il faudra que je fasse quelque chose là. Ouais, je me demandais si on pouvait pas. Non, y a rien là. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, on va peut-être éviter de casser la chaîne. Ah, là, ça fait encore. Je suis sûr que je loupe quelque chose quelque part, mais alors. Bah déjà il y a cet objet là, ma foi, doit bien avoir un système pour aller le chercher. On va se mettre full vie déjà. Il faudrait que j'aille choper juste en face quoi. Alors déjà on va hop, prendre de l'élan, voilà. Voilà, la caméra t'es gentille, tu vas te remettre bien. Voilà, ce qui est pas évident vu que je tiens. Le stick. Oh putain. J'ai pris très 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 cher. Donc avant de rebouger au cas où je tombe, je préfère me remettre en vie. Robe de gardien du feu. Donc gant de gardien du feu, jupe de gardien du feu. Bon. Bah écoutez. C'est déjà pas mal. On a réussi à l'avoir. Maintenant, comment on fait pour descendre? Ça va être une autre histoire. Là, oui, bah, tout simplement comme ça en se jetant hein, en même temps. Pourquoi faire compliqué? Et là, on arrive où du coup? On arrive là où j'étais tout à l'heure et où j'avais pris un item ici. Ok. Bon. Bah écoutez. Bon, mais après tout, c'était moi qui me fais des idées. Il y a peut-être rien d'autre à trouver ici. Hein. Écoutez. Wow, ça fait des éclats dans les deux côtés. J'aime vraiment pas l'idée de me battre dans un couloir aussi étroit. Heureusement que le ninja il est sorti de la pièce où j'ai pu le choper de ce côté-là. Non, il n'y a aucun passage. Je sais pas, ce ninja en fait, bon d'accord il avait une arme, etc. Mais j'ai l'impression qu'il gardait quelque chose. Et ma foi, vu que j'ai rien trouvé par là, je trouve ça assez étonnant. Faut que j'arrête de taper comme ça dans les murs. Où est-ce que je suis pas allé? Est-ce que je suis bien allé partout? Tac, là il n'y a rien. Je joue avec la caméra hein, histoire de voir s'il n'y a pas un objet qu'on verrait. Avancer prudemment. Non, il n'y a rien en contrebas. Je sais pas si j'ai fait. Si je peux même ne serait-ce que faire le tour par là. Où est-ce que ça mène? Je peux pas monter là? Non. Dommage. Ça fait un. Ouais, bon, après, c'est peut-être moi qui affabule hein, en essayant de trouver des passages secrets. C'est peut-être moi qui me trompe. Bon, déjà, on va aller récupérer des astuces et. Comment dire? Et parler à la gardienne, puisque pour avoir vu la gardienne du feu, le truc que j'ai trouvé là. Ça va être dans l'inventaire. Où
Cétis, machin. Voilà, information. Âme d'une gardienne du feu dont on raconte qu'elle est revenue des abysses. Cette gardienne du feu veille sur le feu et sert les intérêts de son champion. On dit qu'elle est plus ou moins remise de son expérience et qu'elle finit par accepter le symbole noir dont les ténèbres ont corrompu son âme. Toutefois, cette dernière ira un jour trouver refuge dans la poitrine d'une autre gardienne du feu. Ouais. Et les autres trucs que j'ai ramassés. Robe de gardienne du feu, gna gna, non, je voulais voir les stats là. Ouais, bien poucrave quand même. Hein. Mais là, si on a une nana, ça peut peut-être le faire. Hein. Ouais, donc bien pourri aussi. Je pas, risque pas de me promener en jupe, mais. Je me demande quelle gueule. Non, je peux pas l'utiliser. Je peux pas l'utiliser, ok, bon. Dommage, ça aurait été rigolo. Là, regardez son arme sortie quand même. Regardez l'arme sortie. Donc là, de toute façon, je peux descendre. On va essayer de retester un peu tous les murs. Je crois que je les ai déjà testés, mais bon. Je peux pas monter sur ce parapet. Donc comme ça, c'est réglé. Hop. Descendu ici, on va sauter à la zboub, on va se soigner. Hop. Je vais quand même poser l'équipement matos du feu. Quoique, il faut peut-être que je les ai sur moi pour lui parler. On va voir. On va voir, on va voir. J'ai l'arme quand même. Dites-moi ce que je peux faire pour vous en parler déjà. Les âmes désincarnées confèrent leur forge, je vous montrerai comment procéder, ouais, donc là elle dit rien. Et donc je peux bien lui donner l'âme de la gardienne du feu. Ashen One, this is much like what lies within me. Then let it find its own place within my bosom. She will understand. We are both. La gardienne du feu peut maintenant retirer le symbole noir. Ok, je sais pas ce que c'est le symbole noir, donc c'est peut-être cette merde qui me ronge. Bon, on va rien faire dans le doute pour le moment. On va retourner voir si je trouve pas quelque chose dans la tour. J'hésite même à vous faire une petite ellipse parce que là, s'il n'y a rien d'autre dans la tour, j'aurais un peu l'air con. Et en même temps, s'il y a quelque chose, ma foi, c'est quand même assez intéressant, dirons-nous, de vous le montrer. Bon, bah, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais tout simplement vous souhaiter une bonne fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Ça a été l'exploration de la tour. Si je trouve quelque chose, bah vous le saurez dans quelques secondes. Sinon, bah je vous dis à la prochaine pour mes aventures dans Dark Souls 3. Bye bye, mes petits amis YouTube. Ok, donc en fait, oui, j'ai trouvé quelque chose. Je vais vous montrer après comment on passe ici. Mais en fait, je commence ici, pourquoi? Parce que ici, il y avait un passage, à première vue, un mur secret. Donc en fait, je suis passé devant tout à l'heure, devant ce passage. Ça, je sais pas ce que c'est, il faut que je lui donne un piaf. Donnez-moi piou-piou. Alors déjà, on va essayer de récupérer cet item. Ah, fouiller le cadavre. Fragment d'astuce, yeah, ça c'est bon ça. Le piou-piou, mais je sais pas ce que c'est. Et là en fait, donc quand vous arrivez là, il y avait un mur et j'ai tapé dedans, c'était un faux mur. Et on s'aperçoit qu'il y a un passage. Et là, à mon avis, il y a forcément quelque chose. Hop, il y a forcément quelque chose dedans.
arrêter de déconner, j'ai pas tout fait ça pour rien quand même. Enfin, j'espère. Le problème, c'est que si je saute. Bon, on va descendre, tant pis. Au pire, ça me permettra de vous montrer comment on remonte. Ah bah, il y a un coffre, et dans ce coffre, il y a quoi? Un anneau convoiteux du serpent argenté. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Saignement. Fiole d'astuce, non. Maximum de PV, non. Ah, on enlèvera celui-là au pire. Les ennemis vaincus rapportent plus d'âmes. Ah oui! Ah oui! Quand même! Quand même, quand même. Ça veut dire que c'est un anneau qui va ramener plus d'XP, quoi. Ah oui. D'accord. Bon, bah nickel. Donc ça, bah ça pour ceux qui jouent au jeu, ça pourrait faire une bonne astuce. Ça pourrait faire une bonne astuce. Du coup, comment je descends? Là, je descends par là. Ok, donc je vais vous montrer rapidement comment je suis allé plutôt là-bas. Alors, tac, 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 tac. Je suis où là? Non, c'est pas là. Bon, ça c'est la sortie principale. Donc en fait, je suis passé devant, comme je vous disais tout à l'heure. Je me suis senti con quand j'ai trouvé le passage. Mais alors, à un point, vous allez voir, c'est vraiment très très bête. Donc si vous vous souvenez bien, j'étais passé par là. Bon, là c'est l'entrée de la tour, normal, hein. Vous venez d'ouvrir la porte. Vous monter par ici, hop, et si vous vous souvenez bien, j'étais passé par là. Ok, oula, j'ai failli faire une bêtise. J'étais passé par là et j'avais continué par là, donc en fait, j'étais sur le bon chemin, hein, jusque-là. Et là, en fait, il y a eu le ninja et le ninja m'a complètement déboussolé dans le sens où j'ai pas continué à explorer. Alors, en fait, j'étais sur le bon chemin parce que si on continue par là-bas, tac, on va le faire. Ok, hop, on passe là et on se retrouve dans la fameuse salle où j'ai commencé à reprendre la vidéo. Et le fameux QQ que je sais pas ce qu'il faut faire. C'est voilà. Alors là, si vous trouvez comment on fait pour donner un piou-piou, ma foi. Donc là, vous voyez, quand on arrive à gauche, il y avait. Oh. Là, il y a l'entrée. Quand on arrive par là, c'est sur la droite, du coup. Et sur la gauche et le reste, j'ai rien trouvé, hein, donc ma foi. Ouais, tape dans les mains. Tape à la main dans le mur. Je vérifie quand même bien tout, hein, avant de. Vu que j'avais quand même. Tester tout l'autre côté, on va quand même voir s'il n'y a rien d'autre ici. Donc là, c'est par le chemin où je suis arrivé. Tac. Non, il semblerait qu'il n'y ait rien d'autre. Hop. Bon, mais voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu de voir cette petite astuce. Ça faisait un petit bonus à la vidéo. Pour ceux qui ont eu la patience de rester. Et en tout cas, bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et dans de nouvelles aventures de Dark Souls. D'accord. D'accord. De Dark Souls. Je suis mort comme une merde. Ça fait mal. Un fail pour finir, hein, fallait bien finir sur un fail. Comment je peux faire pour récupérer mes âmes? Sérieux, je suis mort dans le donjon de départ, quoi. Est-ce que je peux récupérer mes âmes par là? Je suis mort par là. Sérieux? Je peux pas récupérer mes âmes? Elles sont perdues du coup? Ah, c'est abusé. C'est abusé, bordel. C'est pas qu'il y en avait énormément, mais bon. 2000 âmes, c'est 2000 âmes quoi. Bon, enfin, c'est pas bien grave. Donc, bah écoutez, je vais voir un petit peu pour refaire ma configuration d'anneau. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye, mes petits amis YouTube. Yep là.